La Suisse est un très beau pays. Je suis en train de... Un pays très propre. Super. La marque Renault est présentée là. Renault et Nissan. Ouais, pays des gens, c'est super. Chez nous, on jette orange pour des bananes. Pouyo. Awagi, chasser des awagi. Arachide à terre. Partout, on verse l'eau sale. Tu parles, on t'insulte un peu. C'est pays des gens. On peut faire comme eux. C'est une question d'éducation. Voilà, le pays est trop super. Ceci demande aux Bengis, là, quand vous quittez le pays des Blancs, là, donnez conseil aux gens. Il ne faut pas venir avec les portables de dernière génération, faire malin. C'est ça le problème, quand vous venez quitter à Beng, vous venez montrer aux gens quitter l'Europe, c'est les portables qui intéressent. Il faut montrer aux gens que là-bas on est quitté, là, c'est propre. Comportez-vous comme ça, comportez-vous comme ça, et puis parler de la réalité. Et c'est un pays. Et ça, c'est important. Voilà. Dites aux gens que c'est propre, éduquez-les, c'est propre chez les Blancs, faites comme ça pour être grand demain. Vous avez des portables, vous avez des choses, des marques. C'est pas ce qui intéresse les gens. Il faut apprendre les bonnes choses quand vous revenez au pays. Ouais, il faut que l'Afrique se développe. C'est une question de mentalité. C'est ici. C'est dans la tête ici. Ici, dans la tête. Oh, nous, quand on mange, on fait comme ça, on jette. Oh, les Blancs. Ils mènent en voiture, guichet, poubelle, ils mettent dedans. C'est la discipline. On respecte l'autre. Parle pas mal. Tu as insulté ton camarade, c'est prison. Oh, nous, on guiche, nous, on peut même parler mal. On va on t'insulte devant tes enfants. Non, ça va plus à rien, y a rien. C'est une question d'éducation. Si on est bien discipliné, nous allons prospérer. C'est tout. C'est la loi. La loi, c'est la discipline. Une fois que tu es discipliné, la prospérité. C'est pour nous avons passé un très beau séjour. Ce jeu agréable. Vous voyez cette fille là, elle est très dangereuse. Elle nous a tellement bien reçu. On a bien mangé ce que je voulais manger africain. Bien. Bien dormi. Elle a honoré son père. Bon, c'est pour vous dire merci, tous les gars de la Suisse. À notre fille. Bien, et puis très bientôt pour d'autres pays. Voilà. Accueillez-nous très bien comme ça. Parce que quand nous serons très bien accueillis dans vos pays, nous allons vous bénir. Bon, à très bientôt, nous allons annoncer les différents pays. Mais nous prenons le vol tout à l'heure. Voilà, donc la Suisse nous a très bien accueillis. Nous partons avec le cœur très, très content. Voilà. Parce que la Suisse, c'est un très beau pays. J'ai été très marqué par ce pays, la propriété, tout ça, la propriété. Voilà. Merci. Merci au Seigneur de m'avoir permis de découvrir ce pays. Parce que quand la Bible dit, nous allons annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, tu peux partir de Zaroko et puis être en Suisse. C'est ça, c'est ça, c'est ce qui est important. Il ne faut pas courir derrière la Suisse. Mais la Suisse doit venir t'appeler pour dire viens. Voilà, nous on est à Zaroko, on est en brousse. On n'est pas à Abidjan. Mais c'est de la brousse qu'on fait le tour du monde. Voilà, il ne faut pas griller les étapes. Vous serez témoin à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, donc j'encourage aux serviteurs de Dieu à rester, n'est-ce pas, dans la vision de Dieu. Et être là où Dieu veut que tu sois. Si c'est dans un campement, reste dans le campement et fais l'œuvre de Dieu. Un jour, le Seigneur t'amènera à faire le tour du monde. Et puis là, il faut être là où Dieu te veut. Pas forcément l'Europe. Si tu es à Zaroko, tu es dans un village, à Zongwen, à Djogonofla, à Goïtafla, que le Seigneur t'utilise, que tu gagnes les âmes, gloire à Dieu, si le Seigneur veut. Nous sommes ici en Europe parce que Dieu aimerait que nous soyons là pour sensibiliser la diaspora. Nous avons un but bien précis. C'est pour ça que je suis ici. Ceux qui ont perdu la sorcellerie à cause de l'onction qui est si ma vie, qui détruit les yeux de la sorcellerie, nous venons sensibiliser nos bien-aimés, les délivrer pour qu'ils puissent venir, n'est-ce pas, aider l'Afrique à se développer. Parce que notre continent est le continent d'avenir. Et c'est avec les Africains. Alors si les gens sont ici, ils ne développeront pas l'Afrique. Nous avons rencontré des gars qui sont intellectuels, qui ont même des moyens.
Bon, d'autres ont été attaqués par la sorcellerie, donc les finances sont parties. Nous devons prier pour toutes ces personnes qui viendront un jour développer, n'est-ce pas, l'Afrique. Donc, frère, tu es un ministère, il faut être là où Dieu veut que tu sois. Il ne faut pas être envieux. Non, être franchement, l'ensemble que j'ai, c'est pour l'Europe maintenant. Non, 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 non. Dieu t'amènera un jour là où il aimerait que tu partes annoncer l'évangile. C'est le conseil que j'ai à donner à tout le monde. Moi, j'ai fini l'Europe, je vais retourner à Divo, je vais retourner à Zaroko prêcher l'évangile. Voilà, rien ne verra changer ça. Mais pour l'heure, je suis en train de faire une tournée. C'est Dieu qui a voulu que je sois là. Donc il faut attendre ton temps, c'est important. Shalom et que Dieu bénisse.